Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, l'Algérie va jouer un match au Maroc. L'équipe d'Algérie se prépare pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera conjointement au Canada, aux États-Unis et au Mexique. La campagne s'étendra de novembre 2023 à octobre 2025 avec 10 matchs au programme. L'Algérie devra disputer un de ces matchs au Maroc car la Somalie, membre du même groupe G que l'Algérie, a demandé à la Confédération africaine de football l'autorisation d'accueillir ses adversaires au Maroc faute de stade homologué. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie jouera dans un stade marocain. Comme cela s'est produit en 2021 contre le Burkina Faso lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Plusieurs autres pays africains ont également demandé à jouer au Maroc. La CAF devra examiner cette situation avant la prochaine fenêtre FIFA en novembre 2023. Les éliminatoires comprennent 9 groupes de 6 équipes, avec le premier de chaque groupe se qualifiant directement. En novembre 2025, les 4 meilleurs deuxièmes s'affronteront pour déterminer le représentant africain lors du tournoi intercontinental de mars 2026, offrant une chance de qualification supplémentaire pour la Coupe du Monde 2026.